Nous sommes là pour prier, non? Amen. Nous sommes là pour secouer, non? Amen. On s'est déjà bien écouté, non? Alléluia. Ça veut dire que maintenant on peut. Ça veut dire que maintenant on peut secouer, non? Amen. Qui est prêt? Il y en a qui ne sont pas encore prêts. Qui n'est pas prêt? Non, je n'aime pas son l'autre question. Ne pose pas. Donc si on dit qui est prêt, ça veut dire qu'il n'est pas prêt, non? Ça veut donc dire que peut-être il a une condition pour être prêt. Et comme nous voulons que tout le monde soit prêt, amen. Parce que c'est l'église entière, non? Nous voulons que tout le monde soit prêt. Il n'y a pas à mettre sur la balance, ça dit que bon, comme trois a gagné, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. Amen. Nous voulons que tout le monde soit prêt. Comme le frère Jean a dit qu'il n'était pas prêt là. Celui qui n'est pas prêt n'est pas ici. Non, j'ai demandé qui est prêt, il a levé le doigt. Il n'a pas levé le doigt. Il a une question. Ah, c'est plutôt ce qu'il a dit, hein. Ok, donne-lui un cantique. C'est ça, non? Il nous donne un cantique. Donne-lui un cantique. Il regarde son voisin, pardon voisin, aide-moi, donne le cantique là, donne le cantique. Frère, donne le cantique là, alors il t'a regardé, donne le cantique, donne 211. Le cantique. 211. Amen. Amen. Oui, nous ne devons pas être tristes, non? Nous ne sommes pas tristes. Nous ne sommes pas tristes parce que nous savons que nous avons déjà la victoire. Amen. Quand tu vas au combat ayant déjà la victoire, vous croyez que David était triste quand il parlait à Goliath? Non, il n'était pas triste. Il était sûr de lui. Amen. Il était sûr de lui. Amen. Pour ça, il voulait dire que bon, comme tu m'appelles même chien, la vienne. On va voir qui est chien. J'ai souvent raconté des histoires des enfants que j'ai vus à Neubel. Vous savez, à Neubel, c'est le quartier populaire, non? C'est déjà le quartier où on ne sait pas si on respecte le grand frère ou on ne respecte pas. Amen. Alors, vous êtes dans un quartier comme celui-là, vous marchez en route. Un petit enfant vous jeûne, et vous le regardez comme si tu voulais lever la main pour frapper sur lui, non? Il dit que ne tente pas grand. C'est-à-dire, il est comme ça. Là, tu es là, il dit que ne tente pas grand. Tu te commences à te poser la question, mais attends. Même en marchant seulement, j'écrase celui-ci, mais il me dit ne tente pas. Hein? Il est sûr de lui. Bon, dans le monde, on ne sait pas sur quoi il comptait, non? Mais David et Goliath. David savait sur quoi il comptait. Amen. Amen. Et nous devons être à l'image de David. Amen. Oui. Nous devons être à l'image de David. Nous allons dans un combat où nous sommes déjà victorieux. Alléluia. Ça, c'est clair. Amen. 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 Quand tu descends. Bon, je suis en pièce détachée. 211, il faut y aller. Tu vas encore le mettre en position difficile. Pour moi, chrétien. Pour moi, chrétien. La terre de mes îles. Personne ne peut. Pour moi, chrétien. La terre de mes îles. Mais tout est bien. Mais tout est bien, il faut marcher de péril en péril. Mais tout est bien. Pourquoi pleure la terre? Amen. Ça veut dire que personne ne connaît ton chant. Non, Si tu lances comme ça, personne ne va chanter. C'est pas le ton du cantique. Pardon, lance, pardon. C'est ça. Vois le cantique, ma flou, lance. 211. La terre est un exil, mais tout est bien. Mais tout est bien,
Il faut marcher du péril en péril. Mais tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les pleurs, la terre ou la nuit? Christ est en moi, demain comme ainsi. Attendez, pour mieux suivre. Parce qu'on va seulement chanter le cantique là. Sauf que. Il chante du début jusqu'à la fin. Ouais. On écoute comment il chante. Sauf que quand il commence mal. Il j'essaie quand même, j'essaie quand même lire ça. Calme, c'est parce qu'il donne. C'est pour ça que ça nous fait lire. Amen. D'accord. Et après, on tombe. C'est ça. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Mais tout est bien, mais tout est bien, tout est bien. Il faut marcher de péril en péril. Mais tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les pleurs, la terre ou la nuit? Christ est en moi, même comme aujourd'hui. Au ciel, bientôt je serai tout à lui. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. L'âme travaille de tristesse ici-bas, mais tout est bien, tout est bien, tout est bien. De Canaan, j'approche à chaque pas, mais tout est bien, oui, tout est bien. En vain le monde et son charme trompeur, dans ses liens veut retenir mon cœur. J'avance en paix, les yeux sur mon Seigneur. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour, j'atteindrai le but. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Et je serai le but. Et je verrai le pays du salut. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour, le monde va passer. Ô pèlerin, marche sans te lasser. D'accord, on a compris. On a su le cantique, non? On a su, non? On a avalé la dernière ligne, c'est pas grave. On a compris. Voilà, vas-y, lance. Cantique 211. Allez, Antonin. Allons-y. Oh, mon chrétien, la terre est un désir. Mais tout est bien, tout est bien. Il faut marcher de péril en péril. Mais tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les pleurs, la terreur ou l'ennui? Christ est à moi, demain comme aujourd'hui. Au ciel, bientôt, je serai tout à lui. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. L'âme travaille de tristesse ici-bas, mais tout est bien, mais tout est bien. Du Canaan, j'approche à chaque pas. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Envers le monde et son charme trompeur, dans ses liens veut retenir mon cœur. J'avance en paix, les yeux sur mon chauffeur. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour, j'atteindrai le but. Oui,
tout est bien, oui, tout est bien. Et je verrai le pays du salut. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour, le monde va passer. Ô pèlerin, marche sans te lasser. Bientôt à Dieu, tu vas te reposer. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Amen, amen. Amen. Il dit bientôt à Dieu, tu vas te reposer. Mais on se repose de quoi? De ses œuvres, non? Tu ne peux pas te reposer avant d'avoir travaillé. Est-ce qu'on fait l'inverse? Donc nous sommes encore en train de travailler, non? Mais nous avons l'assurance que comme nous allons bien travailler, on se reposera. Amen. C'est en lui qu'on va se reposer. Amen. Oui, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour secouer les cieux. Et il nous a dit de lever vers lui des mains pures. Amen. Nous devons lever. Ah, frère avait encore un cantique. Amen. 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 Voilà. Nous voulons sa présence, non? Il a soif de sa présence, non? Nous aussi, on a soif de sa présence, non? Donc le cantique donne bien. 249. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, d'âme faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des France.
chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure Amen. Amen. Nous comprenons que si le Seigneur ne demeure pas en nous, amen, nous n'allons pas réussir, non? C'est pour cela que notre prière, c'est qu'il vienne demeurer en nous. Amen. Pas auprès de nous, mais en nous. Là, nous avons l'assurance que partout où nous sommes avec lui. Amen. Et ce qui est sûr dans tous ces combats-là, c'est lui qui combattra pour nous. Amen. C'est pour cela que nous devons faire tout et tout pour être en accord avec lui. Amen. Nous devons nous rassurer, quand nous posons un acte, nous devons nous rassurer que cet acte est agréé par lui. Amen. Nous devons nous rassurer que la communication passe entre lui et nous. Que la communion passe. Qu'est-ce qui peut empêcher la communion? Qu'est-ce qui peut barrer la voie à la communion? Ça ne peut être que le péché, non? Parce que ses oreilles ne sont pas sourdes pour nous entendre. Il n'y a que le péché pour créer un écran, pour empêcher qu'il nous entende. Amen. C'est pour cela que chaque fois que nous présenterons devant lui ainsi, la première des choses, c'est de se repentir. Amen. La première des choses, c'est de se rassurer que, comme la communication, c'est de cœur à cœur, c'est que dans nos cœurs, qu'il n'y ait rien qui ne fasse obstacle. Amen. Et cette chose qui peut faire obstacle, c'est le péché. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, je t'invite à aller devant le Seigneur maintenant, avec ton cœur. Je prie que tu ailles devant le Seigneur maintenant, que tu parles seul à seul avec lui. N'écoute pas ce que ton voisin est en train de dire, ce n'est pas important. Tu n'es pas venu ici parce que tu voulais écouter ce que le voisin dit. Tu n'es pas venu ici parce que tu voulais corriger les fautes du voisin. Mais va devant le Seigneur, avec ton cœur. Pleure devant le Seigneur. Dis au Seigneur que tu n'es même pas digne de lever ta tête parce que tu es un pécheur. Dis au Seigneur parce que tu te rappelles même de ce que tu viens de commettre comme péché. Ce que tu as fait hier, ce que tu as fait encore aujourd'hui. Pleure devant lui jusqu'à ce qu'il efface cela de devant toi. Pleure devant le Seigneur. Pleure devant le Seigneur. Présente ton cœur. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, j'ai péché contre toi. Encore en ce jour, ô Dieu Tout-Puissant, j'ai péché contre toi. En ce jour encore, Père, je sais, mon cœur est sale de péché, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père. Délivre-moi de ces péchés, Père. Regarde à mon cœur, ô Dieu Tout-Puissant. Cette jalousie qui ne me quitte pas. Cette jalousie qui ne quitte pas mon cœur. Seigneur, viens ôter cela de mon cœur maintenant. Viens ôter cela de mon cœur, Seigneur. Seigneur, viens ôter la calomnie de mon cœur. Déracine la calomnie en moi, Père. Déracine, ô Dieu Tout-Puissant. Nettoie mon cœur, Seigneur. Nettoie mon cœur, ô Dieu Tout-Puissant, de la haine. Détruis en moi la haine, Seigneur. Toute racine de haine. Toute ruse dans mon cœur, ô Dieu Tout-Puissant, lève. Enlève cela, Père. Enlève la ruse en moi, enlève la haine, Père. Tu as dit ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour. Mais à la place de l'amour, Père, mon cœur est rempli de haine. Mon cœur est rempli de ruse. Enlève cela, Père. Enlève cela, Père. Enlève cela, Père. Et remplis mon cœur d'amour. L'amour pour toi, Seigneur. L'amour pour mes frères, l'amour pour mes sœurs. L'amour pour ton Église, Père. Oui, remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour, Père.
Détruis en moi l'hypocrisie, Père. Détruis en moi l'hypocrisie. Détruis en moi les rancunes, Seigneur. Détruis l'hypocrisie en moi. Et donne-moi de parler en vrai à mon frère, Seigneur. Donne-moi de parler selon la vérité à mon frère, Père. Détruis en moi l'hypocrisie. Détruis en moi les rancunes, Père. Purifie mon cœur, Seigneur. Purifie mon cœur, Seigneur. Purifie mon cœur, Père. Quelle est cette convoitise qui ne me quitte pas? Quelle est cette convoitise, Seigneur, qui remplit mon cœur? Déracine la convoitise en moi, Père. Déracine la convoitise, les envies, Père. Oui, enlève cela de mon cœur. Enlève cela de mon cœur, Père. Père, je sais que je t'ai attristé. Qu'à cause de ces choses, Seigneur, je t'attriste. Enlève cela en moi, Père. Enlève, Seigneur. Enlève, ô Père. Enlève, Père. Déracine la colère en moi, Père. Déracine la colère en moi, Père. Déracine la colère, la méchanceté. La colère en moi, Père, la méchanceté. La nervosité, Père. L'animosité, Seigneur. Seigneur, libère mon cœur de toutes ces choses-là. De tout ce qui n'a pas été planté par toi, Père. Libère mon cœur de tout cela, Seigneur. Libère mon cœur, Seigneur. Ôte cela de mon cœur, Père. Oui, purifie mon cœur, Seigneur. Purifie nos cœurs, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce peuple est devant toi pour pleurer chacun, Seigneur, pour ses péchés, Seigneur. Tu connais nos cœurs, ô Dieu Tout-Puissant. Enlève de nos cœurs tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Enlève, ô Dieu Tout-Puissant. Enlève, Seigneur. Enlève, ô Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, la peur en nous, Père. La peur. Alors que tu nous disons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Mais nous avons encore peur, Seigneur. Enlève de nos cœurs la peur, Père. Enlève de nos cœurs la peur. Parce que nous comptons sur toi, Seigneur. Nous ne devons pas avoir peur. Déracine en moi la peur. Déracine en moi l'inquiétude, Père. Déracine en moi le doute. Déracine, Seigneur, le doute, les murmures, ô Père. Déracine en nous les murmures dans nos cœurs, Père. Alors que nous connaissons les conséquences des murmures, Père. Ton peuple a murmuré et s'est retrouvé en tournée en rond, Père. Père, déracine en moi les murmures. Déracine en moi les murmures, Père. Déracine en moi les murmures, Père. Oui, Seigneur. Donne-moi de vivre dans l'assurance, ô Dieu Tout-Puissant, de qui tu es et de ce que tu peux faire pour moi, Père. Déracine en moi les murmures, le doute, l'incrédulité, ô Dieu Tout-Puissant. Déracine en moi l'incrédulité, Père. Donne-nous de compter sur toi, Seigneur. Donne à mon cœur de compter sur toi, Père. Donne à mon cœur de compter sur toi, Père. Oui, ô Dieu Tout-Puissant, tu connais nos cœurs. Tu connais ce qu'il y a dans mon cœur, Seigneur. Tu connais ce qui est bien, Seigneur. Mais tu connais aussi tout ce qu'il y a de mal, de mauvais dans mon cœur. Père, enlève. Enlève, ô Dieu Tout-Puissant. Enlève, Seigneur. Enlève. Déracine en moi la distraction, Père. Éloigne de moi tous ces objets qui me distraient, Seigneur. Oui, ô Dieu Tout-Puissant, je dois te consacrer tout mon temps, Seigneur. Mais il y a des choses qui me distraient, Père. Éloigne cela de moi. Éloigne cela de moi, Père. Quelles sont ces choses, Seigneur? Éloigne toutes ces choses de moi, Père. Donne-moi de m'en séparer, Père. Révèle-moi, Seigneur, toutes ces choses pour lesquels tu voudrais que je me sépare. Et aide-moi, Seigneur, à m'en séparer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous nous voici devant toi. Nous étendons nos cœurs au-devant de toi, Seigneur. Purifie mon cœur, Père. Purifie nos cœurs, Père. Purifie nos cœurs, Père. Regarde les coins et les coins de nos cœurs, ô Dieu Tout-Puissant. Éclaire, Seigneur, nos cœurs. Que ta lumière chasse les ténèbres de mon cœur, Père. Que ta lumière éclaire les coins sombres de mon cœur, Père. Oui, Seigneur. Purifie mon cœur. Purifie-moi, Seigneur. Éloigne de moi l'orgueil, ô Dieu Tout-Puissant. Éloigne de mon cœur l'orgueil. Oui, l'orgueil, Seigneur. Éloigne de moi l'orgueil, Père. L'orgueil, ô Dieu Tout-Puissant. L'orgueil de la vie, Père. L'orgueil de la connaissance, Père. L'orgueil des titres, Père. Éloigne de moi toutes ces choses, Seigneur. Éloigne de moi tout cela, Père. Éloigne, Père. Afin que rien ne vienne être obstacle au-devant de moi, Seigneur. Éloigne, ô Dieu Tout-Puissant. Déracine en moi la désobéissance, Seigneur. Oui, Père, la désobéissance. La désobéissance est en nous, Père. Tu me donnes des instructions que je n'arrive pas à accomplir, Père. Oui, Seigneur. Déracine en moi la désobéissance, Père. La désobéissance, Seigneur. Ton peuple a désobéi, Père. Ton peuple désobéit, Père. Éloigne de nous la désobéissance, Seigneur. Donne-nous de respecter tes instructions, ô Dieu Saint. Tes commandements, Seigneur. Voici ton église, Père. Nous voici pleurant au devant de toi, Seigneur. Nous voulons être agréables, Père. Seigneur, que tout ce qui en nous ne te plaît pas, enlève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enlève, ô Dieu Tout-Puissant. Enlève, Seigneur. Afin que rien ne vienne être obstacle, ô Dieu Tout-Puissant, à nos requêtes, Seigneur. Que rien ne vienne constituer un obstacle, Père, pour nos requêtes. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, Père. 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 Purifie nos cœurs. Nous voulons être à toi, Père, entièrement à toi. Nous voulons être entièrement consacrés, Père. Ramène-nous, ô Dieu Tout-Puissant, sur ton chemin, sur ton sentier. Que tout ce qui nous éloigne de toi soit ôté. Toutes ces choses que nous avons faites, Seigneur, sans savoir, mais qui nous ont éloignés de toi, Père. Seigneur, détruis-les de toutes les conséquences de tous ces péchés, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ô Dieu Tout-Puissant. Il y a la négligence en nous, Père. Il y a la négligence en nous, Père. Éloigne-nous, Seigneur. Déracine en nous toute négligence, Père. Toute paresse, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Père. Merci, Père. Parce que tu détruis toutes les conséquences, ô Dieu Tout-Puissant, de notre mauvaise marche. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci de nous nettoyer Père. Merci de nous nettoyer corps, âme et esprit Père. Merci de nous nettoyer Seigneur. Merci de constituer pour nous Seigneur ce bouclier Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci également doté de notre milieu tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Doté de notre milieu tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit dans nos maisons, ô Dieu Tout-Puissant. Que ce soit en ce lieu ou partout ailleurs, Seigneur. Expose tout ce qui n'est pas de toi, Père. Que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous devons prier. Nous allons continuer de prier. Priez maintenant pour les conducteurs. Amen. Portez les conducteurs au devant du Seigneur. Portez-les au devant du Seigneur, les conducteurs, leurs épouses, leurs enfants. Priez pour eux. Que le Saint-Esprit te conduise dans tout ce que tu vas demander pour eux. Nous sommes en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je porte au devant de toi les conducteurs de cette assemblée ou de tes assemblées, Seigneur. Tous tes serviteurs de par le monde, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, afin que tu les protèges contre toute attaque de l'ennemi, Père. Seigneur, je te présente leur cœur, ô Dieu Tout-Puissant. Afin que tu purifies leur cœur. Afin que tu nettoies tout ce qui est en eux, Seigneur. Ne vienne pas de toi, Seigneur. Afin que, ô Dieu Tout-Puissant, oui, parce que tu les as envoyés, Père, ils doivent être des modèles au devant du troupeau, Seigneur. Je prie, Père, que tout ce qui est en eux constitue des pierres d'achoppement, Père, que tu enlèves cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu enlèves de leur cœur, Père, la jalousie, ô Dieu Tout-Puissant. Que tu enlèves de leur cœur, Seigneur, la comparaison, Seigneur, des appels. Tu enlèves cela de leur cœur, Père. Au nom de Jésus Nazareth. L'esprit de supériorité, Père. Tout complexe de supériorité, Père. Tu enlèves cela de leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La comparaison des appels, Père. Oui, Seigneur. Que tout cela en eux soit détruit, Seigneur. Que ces esprits en eux, Seigneur, soient liés, enchaînés, Père, et ôtés d'eux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'ils comprennent que tout est grâce, Seigneur. Qu'ils comprennent que tout est grâce, Père. Que c'est toi qui donnes à qui tu veux, Père. Que ce n'est pas par leur effort, Seigneur. Oui, Père. Purifie leur cœur, Seigneur. Purifie les cœurs des conducteurs, Père. Purifie, Seigneur. Je prie au Dieu Tout-Puissant. Là où tu as positionné chacun, Seigneur, que tu l'équipes, Père, pour le travail que tu attends de lui, Seigneur. Que tu équipes tous les conducteurs, tous tes serviteurs, Père, pour le travail, Seigneur. Tu connais l'ampleur du travail de chacun, Seigneur. Équipe-les, Père. Équipe-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous connaissons ces différents dons nécessaires, ô Tout-Puissant, pour eux. Accorde-leur, Père, ces multiples dons, Seigneur, qui vont leur permettre, Père, de réaliser à bien leur mission, Seigneur. Leur ministère, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-leur d'être compétents, Seigneur. Donne-leur d'être compétents, Père, pour ce que tu attends d'eux. Seigneur, tu connais l'ampleur des combats. Tu connais l'ampleur des combats, Seigneur. Avant même que cela n'arrive, Seigneur, équipe-les. Arme-les, Seigneur. Arme-les, Père.
de toute arme nécessaire, Seigneur, pour vaincre l'ennemi, Seigneur. Pour gagner cette guerre contre l'ennemi, Père. Arme-les au nom de Jésus-Christ. C'est déjà une chose. L'ennemi cherchera à les affaiblir, soit en s'attaquant à leur famille, soit en s'attaquant à leurs épouses, soit en s'attaquant à leurs enfants, Père. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, donne-leur d'être toujours victorieux, Père, de tous ses ennemis, Seigneur. Protège leurs femmes, Seigneur. Protège leurs enfants, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi va chercher à les atteindre, Père. Même pas des besoins, Père. Père, je prie afin que tu pourvoies. Que tu pourvoies, ô Dieu Tout-Saint, à tous leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui les as établis. C'est toi qui les as établis sur ton église, Père. Père, je prie que tu leur accordes sagesse et intelligence, Seigneur. Pour gérer ton église, Père. Pour diriger ton église, Père. Accorde-leur, Seigneur, sagesse et intelligence. Comme tu l'as fait avec Salomon, Père. Et même plus, Seigneur. Accorde-leur sagesse et intelligence, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, oh Dieu, Tout-Puissant, pour leur cœur. Que tu leur prie, que tu les préserves, Père. De toute cupidité, Père. Préserve-les de toute cupidité, Père. Préserve tes serviteurs de toute cupidité, Père. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, donne-leur de comprendre que tout est grâce. Parce que tu leur as donné gratuitement, Père, qu'ils doivent donner aussi gratuitement, Père. Préserve-les, Père, de toute cupidité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Veille sur eux, Seigneur. Veille sur eux, Seigneur. Veille sur eux, Seigneur. Accorde la humilité, Seigneur. Accorde, Seigneur, au conducteur, à tes serviteurs, Père, l'humilité nécessaire. Seigneur, tu es le modèle de l'humilité. Seigneur, donne-leur l'intimité. Donne-leur l'intimité, Père. Timité, oh Dieu Tout-Puissant, dans cette humilité, Seigneur. Donne-leur l'intimité, Père. Donne-leur l'intimité, Père. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Accorde-leur la douceur. À tous les conducteurs, Seigneur. Accorde-leur la douceur, la tempérance. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oui, Seigneur. Qu'il les aime. Qu'il les t'aime, Père. Qu'il les t'aime, Père. Qu'il t'aime. Et qu'ils aiment tes brebis, Seigneur. Qu'ils t'aiment et qu'ils aiment tes brebis, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Équipe les pères. Équipe les pères. Ils ne peuvent rien faire, Père. Sans ton Esprit Saint, Père. Ils ne peuvent rien faire. C'est pour cela, Père, que je prie. Afin que tu les baptises du Saint-Esprit. Afin que tu les révèles ton Esprit Saint, Seigneur. Afin que tu les baptises du Saint-Esprit. Que tu les révèles, oh Dieu Tout-Puissant, de ton Esprit Saint. Père, sur le haut, Dieu Saint. Capacite-les, Père, dans tout ce que tu leur demanderas de faire, Père. Capacite-les, oh Dieu Tout-Puissant. Capacite-les, Père, au nom de Jésus Nazareth. Je prie pour l'harmonie, oh Dieu Tout-Puissant. Dans le conseil des serviteurs, Seigneur, je prie pour l'harmonie, Père. Pour l'harmonie, oh Dieu Tout-Puissant. Accorde-leur l'harmonie, Seigneur. Dans le conseil des conducteurs, Père. L'harmonie, Seigneur. L'harmonie, Père. Au nom de Jésus Nazareth. Et qu'ils reconnaissent, oh Dieu Tout-Puissant, que toute la gloire te revient, Seigneur. Que toute la gloire te revient, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Père. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Je le regarde à toi et rien qu'à toi, Père. Je le regarde à toi et rien qu'à toi, Père. Protège-les, Seigneur. Protège-les, Père. Garde les corps à l'esprit, Père. Protège les pères. Protège les pères. Que tout ce que tu avais prévu pour eux, Seigneur, dans les cieux, Père, leur soit donné maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces dons, Seigneur, que tu avais prévu pour eux, oh Dieu Tout-Puissant, pour l'exercice de leur fonction, pour l'exercice de ce ministère,
Père, donne-leur cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les aimes tes brebis, Père. Que les aimes tes brebis, Père. Seigneur, nous ne pouvons pas faire sans toi, Père. Nous ne pouvons pas faire sans toi, Père. Au nom de Jésus. Sois devant, ô Dieu Tout-Puissant. Et que tout soit derrière toi, Seigneur. Pour te suivre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant. Afin que tous se déclarent être tes esclaves, Père. Que tous se déclarent être tes esclaves. Pour dire, ô Dieu Tout-Puissant, qu'ils te suivent, Seigneur. Même qu'ils te suivent les yeux fermés, qu'ils te suivent simplement, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protège, ô Dieu Tout-Puissant. Protège, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ô Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Qu'ils soient véritablement consacrés à toi, Père. Que tout leur temps, que tout ce qu'ils feront, Seigneur, soit pour ta gloire, Père. Tout ce qu'ils doivent faire, Seigneur. Tout ce qu'ils feront, Seigneur, que ce soit pour ta gloire, Père. Qu'il n'y ait rien de privé, Père. Mais que tout leur temps soit pour toi, Père. Dans leur service, partout ils se retrouveront, Seigneur. Que tout ce qu'ils seront en train de faire, Seigneur, soit pour ta gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Donc qu'ils comprennent, au Dieu Tout-Puissant, qu'ils n'ont rien mérité, Père. Qu'ils comprennent qu'ils n'ont rien mérité, Père. Qu'ils n'ont rien mérité. Et c'est pour cela qu'ils ne doivent pas mépriser les autres, Père. Ils ne doivent pas mépriser les brebis, Père. C'est pour cela qu'ils doivent aimer les brebis, Père. Ils doivent aimer les pécheurs, Père. Mais pas le péché, Père. Ouvre leurs yeux, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, merci, Père. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras avec eux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous continuons de prier pour les serviteurs. Il y a eu une rencontre qui est prévue pour février. Amen. Une rencontre qui est prévue. Ils doivent arriver le 12 et repartir le 16 dans cette maison. Nous allons prier. Il y en a qui partent de très loin. Priez pour que le Seigneur les amène. Que le Seigneur protège leur chemin, non? Pour qu'il n'y ait pas d'incident en cours de route. Et que ce pourquoi ils viendront ici, qu'ils ne rentrent pas sans cela. Amen. Amen. Qu'ils ne rentrent pas sans cela. Tu ne sais pas ce qu'ils viendront chercher. Amen. C'est le Seigneur qui va accorder. C'est le Seigneur qui sait. C'est le Seigneur qui sait pourquoi il les convoque ici. Mais que personne ne rentre sans ce pourquoi le Seigneur l'a convoqué ici. Prions, prions, prions. Ah, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, tes serviteurs vont répondre, ô Dieu Tout-Puissant, à ta sainte convocation, ici dans cette salle, du 13 au 15. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, leur arrivée, comme tu l'as dit, c'est le 12 et leur départ, c'est le 16. Tu sais pourquoi tu les convoques en ce lieu, Père. Père, je prie, afin que tu amènes, ô Dieu Tout-Puissant, tous tes serviteurs de par le monde qui voudraient être à cette rencontre, que tu les amènes ici, au nom de Jésus de Nazareth. Tous tes serviteurs, Seigneur, du Cameroun, de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis, de partout, Seigneur, tous ces serviteurs, ô Dieu, que tu convoques pour le 13, 14, 15, Seigneur, qu'ils soient là, amène-les, Seigneur, amène-les, Seigneur, et que sur leur chemin, Père, qu'il n'y ait pas de heurte, Seigneur, que sur leur chemin, Père, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'incident, qu'ils arrivent ici, ô Dieu Tout-Puissant, et ce pourquoi tu les as convoqués, Père, qu'ils reçoivent cela, au nom de Jésus de Nazareth, que ce pourquoi tu les convoques, Seigneur, qu'ils ne repartent pas d'ici, Père, sans cela. Que personne ne reparte d'ici, Père, sans ce pourquoi tu l'as appelé, Père. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, certainement, ô Dieu, comme tu as dit pour tes apôtres, pour la chambre haute, Père, certainement ils seront équipés, certainement ils seront chargés, certainement au départ d'ici, Père, ce sera pour que chacun aille dans sa mission, Père. Père, je prie qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'il en soit ainsi, Père.
pour tes serviteurs du Cameroun. Je prie qu'il en soit ainsi pour tes serviteurs de l'Afrique. Je prie qu'il en soit ainsi pour tes serviteurs de par le monde, en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada et partout, en Italie, en Belgique, ailleurs. Je prie qu'il en soit ainsi. Que tous repartent d'ici le 16, étant équipés pour la mission, Père. Étant équipés, étant remplis, oh Dieu Tout-Puissant, pour la mission à laquelle tu les assignes, Père. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que dorénavant, oh Dieu Tout-Puissant, qu'il soit différent. Et que dorénavant, il soit différent. Père, nous savons comment ils entreront ici. Mais nous ne savons pas comment ils en sortiront. Mais une chose est sûre, parce que c'est toi qui les convoques, Seigneur. Ils sortiront d'ici différents. Ils sortiront d'ici différents, Père. Oui, Seigneur. Prépare ces moments pour eux, Père. Prépare ces moments pour eux, Père. Prépare cet équipement pour eux, Père. Pour chacun de Père. Prépare, oh Dieu Tout-Puissant. Équipe chacun, Père. Équipe chacun. Parce que tu connais la dimension de l'œuvre pour chacun, Seigneur. Équipe les pères. Équipe les pères. Équipe, Père. Et que chacun reparte d'ici, Père. Dans sa mission, Père. Dans son appel, Père. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et qu'on sortit d'ici, Père. Le monde connaît, Seigneur, qui sont dorénavant différents, Père. Parce qu'ils vont exercer en puissance, Seigneur. Parce que dorénavant, Père, ils exerceront dans la puissance, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Parce qu'au sortir d'ici, Seigneur, ils vont exprimer les dons, Seigneur. Ces dons multiples que tu leur as accordés, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous attendons cela de toi. Nous attendons, Seigneur. Nous attendons, Seigneur, cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Amen. Amen. Nous allons prier particulièrement pour son serviteur. Amen. Pour le frère Junior, particulièrement. Parce que c'est le porte-étendard, non, de ce ministère. Et nous savons que l'ennemi ne peut pas être content de tout ce qu'il fait au milieu de nous, de tout ce qu'il fait de par le monde. L'ennemi veut l'attaquer, il va l'attaquer. Amen. Mais il est victorieux déjà. Amen. Donc nous devons prier, devons davantage le porter, que ce soit ici ou ailleurs. Prions pour lui et pour sa famille. Prions pour lui. Et nous, quand nous regardons ce qui se passe, il marche avec son épouse, non? Ça veut dire qu'il suffit d'attaquer son épouse pour l'avoir attaqué, non? Donc il faut, quand on prie, prions sérieusement pour son épouse également. Pour son épouse. Pour s'attaquer à un homme, on s'attaque à sa femme. Amen. Amen. Si on touche la femme, on est sûr qu'on a touché l'homme. Il va s'affaiblir. Amen. Donc, prions pour ce couple. Prions pour ses serviteurs de Dieu. Prions pour lui, le porte-étendard. Mais prions aussi pour sa femme et prions pour les enfants. Afin que le Seigneur les protège et que le Seigneur les équipe. Amen. Nous en prier. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, je porte encore devant de toi ton serviteur. Mon bien-aimé frère, oh Dieu Tout-Puissant, je porte au devant de toi, Seigneur, mon frère Élie Bertrand Chabda. Au devant de toi son épouse Grace Chabda. Ses enfants, leurs enfants, Père. Seigneur, afin que davantage ta main les environne, oh Dieu Tout-Puissant. Afin que davantage tu les protèges, Père. Afin que davantage, Seigneur, tu leur donnes d'être victorieux de tous les combats, Seigneur. Qui possèdent la porte, Seigneur, de leurs ennemis, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Préserve-les, oh Dieu Tout-Puissant. Préserve-les contre toute flèche, oh Dieu Tout-Puissant. Enflammée de l'ennemi, Père. Préserve-les, Seigneur. Préserve ton serviteur, Père. Préserve son épouse, Père. Préserve ses enfants, oh Dieu Tout-Puissant. Préserve même tout ce qui est à eux, Père. Préserve-les, Seigneur. Que la main de l'ennemi ne les atteigne plus jamais. Ne les touche jamais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mais qu'il soit toujours victorieux, oh Dieu Tout-Puissant. De tout combat contre l'ennemi, Seigneur. Qu'il soit toujours victorieux, Seigneur. Préserve-les, Seigneur. Préserve-les, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu les as envoyés, Seigneur, pour une mission particulière, Père. Pour une mission particulière dans ton Église, Seigneur. Père, je prie afin que tu les préserves
Et je prie, Seigneur, que tu les équipes, Seigneur. Que tu les équipes davantage et davantage, Père. Équipe-les, Père. Équipe-les davantage et davantage, Seigneur. Équipe-les, Seigneur. Remplis-les, ô Dieu Tout-Puissant. De tout ce qu'il faut, Seigneur, pour l'Église, Seigneur. Remplis-les, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Environne-les, Seigneur. Environne-les, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, je prie. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu pourvoies tous leurs besoins, Père. Pourvoies tous leurs besoins, Seigneur. Afin que rien ne vienne les affaiblir, Père. Pourvoies tous leurs besoins, Seigneur. Au-delà même de leurs attentes, Seigneur. Pourvoies, ô Dieu Tout-Puissant. Pourvoies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Préserve-les, Père, de tout attaque ennemie, Seigneur. Préserve-les, Père. Préserve leur santé, Père. Préserve la santé de leurs enfants, Père. Préserve la santé de son épouse, Père. Préserve la santé de ton serviteur, Père. Préserve-les, Seigneur. Contre toute attaque de l'ennemi, Seigneur. Préserve-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et qu'ils aillent toujours de l'avant, Père. Que rien ne les arrête, Seigneur. Que rien ne les bloque, Seigneur. Que rien ne les arrête sur le chemin, Seigneur, du ministère. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nourris-les de ta parole, Père. Nourris-les de ta parole, Père. Révèle-toi davantage et davantage à eux, Seigneur. Afin qu'ils communiquent à ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Continuons de prier pour eux. Amen. Continuons de prier pour eux. Afin que le Seigneur déracine ou que le Seigneur les préserve contre tout esprit d'orgueil. Amen. Que le Seigneur les préserve. Vous savez, l'une des choses qui finalement fait tomber les hommes de Dieu, c'est l'orgueil. Amen. Et souvent, ce sont les brebis qui les amènent là-dedans. Amen. Prions pour une préservation de l'orgueil. Amen. Préservation de l'orgueil. Préservation de la cupidité. Amen. Et de toutes ces choses qui pourraient attirer le corps. Amen. Prions pour qu'il soit préservé. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Père, je prie pour mes bien-aimés, ô Dieu Tout-Puissant, tes serviteurs, afin que tu les préserves de tout orgueil, Seigneur. Que tu les préserves de tout orgueil, Père. Préserve-les, Seigneur, de toute forme d'orgueil, Père. Préserve-les de tout orgueil. L'orgueil de la vie, Père. L'orgueil de la connaissance, Père. L'orgueil de la voix, Père. Préserve-les de tout orgueil, Seigneur. Préserve-les, Seigneur. Préserve-les, Seigneur. Donne-leur, ô Tout-Puissant, de rester dans l'humilité, Seigneur. Donne-leur de grandir dans l'humilité, Seigneur. Oui, ils sont déjà humbles, Père. Je prie que davantage et davantage, Seigneur, qu'ils soient humbles, Père. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Préserve-les de toute cupidité, Seigneur. De toute forme de cupidité, Seigneur. Préserve-les, Seigneur. Préserve, ô Dieu Tout-Puissant. Préserve, Seigneur. Préserve leur cœur, ô Dieu Tout-Puissant. Qui se rapproche davantage et davantage de toi, Seigneur. Attire-les davantage et davantage à toi, Seigneur. Préserve-les, Seigneur. Préserve-les, Père. Préserve-les, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut exécuter le cantique 226? 226. Amen. Ce qui est sûr, nous devons affronter le monde. Amen. Mais le Seigneur te dit, ne crains rien. Amen. Tu dois affronter le monde. Tu dois affronter ta propre famille même. Tu dois affronter ton voisinage. Amen. Mais le Seigneur te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Amen. Cantique 226. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec.
tiens ma foi. La sombre vallée et l'âme creuse, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais. Jamais tout seul. Non, 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 non.
jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Amen. Lorsque tu vas au combat en sachant que tu n'es pas seul. Amen. Tu vas sachant que tu es déjà victorieux. Amen. Parce que celui-là qui est avec toi, il est la victoire même. Amen. Il est la victoire incarnée. Il n'y a pas d'ombre d'échec en lui. Donc si je sais que je suis en train d'aller au combat avec lui, s'il est de mon côté, je suis sûr que j'ai la victoire. Amen. Nous allons continuer à combattre. Amen. Nous allons continuer. Nous allons combattre maintenant pour ce pays. Nous allons combattre. Parce qu'il nous a dit, il nous a donné la victoire sur ce gouvernement. Amen. Il nous a donné de déclasser ce gouvernement, de balancer ce gouvernement pour mettre un autre. Amen. Nous allons continuer de combattre par rapport à cela. Afin que l'ennemi ne nous trouve pas assoupis. Amen. Et qu'il s'en prenne, qu'il prenne le poste avant qu'on ne commence à dire pourtant. Amen. Ce que nous avons fait au 20 octobre, nous avons installé un gouvernement. Amen. Nous allons insister là-dessus. Amen. Dégager ses racines. Amen. Amen. Dégager. Et comme je dis, nous disions déjà hier, en réalité, quand on dit les racines là, il faut comprendre dans cela tous ceux qui étaient attachés au pouvoir. Tous ceux, qui, tous ceux de la dernière équipe, non. C'est tout ça qu'on va appeler attachés. On dit que les pontes du pouvoir, tous ceux-là qui mangeaient tout autour là, ils ne voudront pas que ça change. Parce que quand ça quitte, ils n'ont plus les faveurs qu'ils avaient hier. C'est pour ça que quand tu pries, prie vraiment avec acharnement. Acharne-toi sur eux. Tu diras que rien ne doit résister. On prend en forme des racines. Dis-toi qu'aucune racine ne doit rester en terre. Aucune. Parce que qui sait, ça peut bourgeonner. Amen. Il faut enlever tout ça du sol. L'arbre est tombé. Oui, l'arbre est tombé. Mais on a vu le tronc encore là, non? Si on laisse le tronc là, c'est que ça peut bourgeonner. Amen. Donc nous allons déjà dis merci au Seigneur pour l'arbre qui est tombé. Amen. Et maintenant, déraciner. Amen. Et déraciner. Et enlever ce tronc du sol. Amen. Nous sommes en prière. Père, nous te rendons grâce, ô Dieu Tout-Puissant, de ce que toi-même tu nous as dit, ô Dieu Tout-Puissant, que l'arbre est tombé. De ce que tu nous as présenté, cet arbre qui est tombé. Nous te disons merci, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci. Et nous prions même, ô Dieu Tout-Puissant, que cet arbre qui est tombé, puisse là, que cela se ramène maintenant sur le plan physique. Que cet arbre tombe véritablement sur le plan physique. Nous attendons cela maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, pour cette souche, pour ce tronc qui est encore là, Seigneur. Nous venons maintenant dessoucher ce tronc. Nous venons maintenant arracher, déraciner, Seigneur, cette souche, Seigneur. Afin que, ô Dieu Tout-Puissant, de cette ancienne équipe, de ce grand arbre, Seigneur, que rien ne reste, Seigneur, en terre. Que rien ne reste en terre, Seigneur. Que s'il y a quelque chose qui résiste encore, Père, nous dégainons sur eux, Seigneur, les grêlons de feu, Seigneur. Pour détruire, pour consumer toutes ces racines, pour consumer, oh Dieu, tout ce qui est encore de l'ancienne équipe, Seigneur, afin que rien ne résiste, Seigneur. Oui, Seigneur, nous arrachons maintenant ce tronc, nous déracinons ce tronc d'arbre, maintenant, Seigneur. Nous arrachons ces racines, Seigneur, toutes ces racines en terre, nous déracinons cela maintenant, au nom de Jésus Nazareth, avec la puissance que tu nous as donnée, Seigneur, nous déracinons, nous arrachons ce tronc. L'arbre, au nom de Jésus Nazareth. Aucune racine ne nous résiste, Père. Nous arrachons cela maintenant. Nous dessouchons cela maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Et s'il y a encore de cachet, Père, que rien ne résiste, Seigneur. Mais s'il y a quelque chose qui est caché encore en terre, nous appuyons sur le tonnerre en terre, Père. Le tonnerre en terre, Père. Pour déraciner cela. Pour saccager, Seigneur, ce qui est encore de cet arbre.
Nous saccageons tout ce qui est de cette table, Seigneur. Nous saccageons tout ce qui est de cette table. Et nous enlevons toutes les racines maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saccageons, Seigneur, cette souche. Nous saccageons cette souche, Seigneur. Et nous enlevons toutes les racines maintenant, Père. Nous arrachons toutes ces racines maintenant. Nous arrachons toutes ces racines maintenant. Nous dessouchons ce tronc maintenant, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, oh Dieu tout ça. Rien ne restera, Seigneur. Rien ne va rester en terre, Seigneur. De ce tronc d'arbre, rien ne va rester en terre. Que toute racine, bien que cachée, Père, nous enlevons cela maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, oh Dieu tout ça. Nous commandons maintenant, oh Dieu Tout-Puissant, que tout ce groupe soit dégagé, Père. Nous dégageons tout ce groupe, Seigneur. Que rien ne reste de ce régime. Qu'aucune porte de pouvoir, Père, ne se tienne encore devant de nous, Seigneur. Nous dégageons tout ce groupe, Père. Nous dégageons, Seigneur. Que le tonnerre du ciel descende maintenant. Que le tonnerre de Dieu descende maintenant, oh Dieu du sang. Sur ce gouvernement, Père. Vous les séparez, vous les disloquez, vous les éparpillez, oh Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que rien ne résiste, Père. Nous les poursuivons, oh Dieu Tout-Puissant. Nous lançons dans leur direction, Seigneur, des grêlons de feu, Père, afin que rien ne résiste, Seigneur. Que tout soit consumé, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'ils lâchent, que tous lâchent prise, Seigneur. Que tous lâchent prise, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Oui, oh Dieu Tout-Puissant. Afin que le trône soit libéré maintenant, Père. Oui, nous libérons le trône maintenant, Père. Nous libérons, Seigneur, le trône. Nous libérons ce trône maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous dégageons tout, Seigneur. Qu'il n'y ait plus de bourgeons, Seigneur. Qu'il n'y ait plus de bourgeons sur ce tronc d'arbre, Père. Qu'il n'y ait plus de rejetons sur cet arbre, Père. Aucun rejeton, Seigneur. Aucun rejeton, Seigneur. Aucun bourgeon, Père, ne prendra de cette souche, Père. Parce que la souche a été détruite, Père. Parce que la souche a été saccagée, Père. Parce que la souche a été arrachée de terre, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute racine arrachée maintenant, Père. Toute racine, Seigneur, arrachée maintenant de terre. Toute racine arrachée de terre, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute racine arrachée maintenant, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucune possibilité de germination maintenant, Père. Aucune possibilité de bourgeonner maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, tout ça. Nous enlevons maintenant le sceptre de commandement d'entre leurs mains. Nous enlevons maintenant le sceptre de commandement d'entre leurs mains. Nous arrachons de leurs mains maintenant, Père, le bâton de commandement. Nous arrachons, Seigneur. Et nous enlevons toutes les armoiries du Cameroun de leur cou maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous enlevons, Père, de force, le sceptre de commandement. Et nous enlevons de leur cou, Père, les armoiries du pays. Nous enlevons cela de leur cou, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous enlevons, Père. Nous arrachons, Père, le sceptre de commandement entre leurs mains, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Entre leurs mains, nous arrachons le sceptre de commandement. Nous enlevons, oh Dieu puissant, la couronne, Seigneur. Nous ôtons la couronne, Seigneur, de distinction d'entre leurs coups. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout programme qu'ils avaient fait, Seigneur, nous annulons. Nous annulons tous les programmes qu'ils ont fait, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les dépouillons, oh Dieu Tout-Puissant. Nous les dépouillons tous de toute autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les dépouillons de toute autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les dépouillons
de toute autorité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Disloquons maintenant toutes ces associations qui voulaient porter le Fils au pouvoir. Amen. Toutes ces associations, tous ceux-là qui sont constitués en groupe pour le porter au pouvoir, que ce soit dans ce pays ou ailleurs, disloquons tous avec les grêlons de feu. Ils vont s'enfuir sans regarder derrière. Nous les saccageons. Nous envoyons sur eux le tonnerre. Tous ceux-là, oh Dieu Tout-Puissant, qui se sont constitués en groupe pour porter le Fils au pouvoir. Nous les disloquons maintenant, au nom de Jésus Nazareth. Nous les saccageons maintenant. Que ces associations, Père, nous envoyons dans ces associations les grêlons de feu, Père, qui soient saccagés maintenant, au nom de Jésus Nazareth. Je commande au tonnerre de Dieu maintenant. Que le tonnerre de Dieu descende maintenant sur toutes ces associations, que ce soit des associations internes, que ce soit des associations des étrangers qui veulent me porter le Fils au pouvoir. Nous faisons question de cette élection et qu'il les saccage au nom de Jésus Nazareth. Il est saccagé maintenant. Que toutes ces associations soient saccagées, qu'ils soient disloquées maintenant au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi, tout plan de l'ennemi visant à porter le Fils au pouvoir soit nul maintenant. Échoue au nom de Jésus Nazareth. Tout plan de l'ennemi visant à porter le Fils au pouvoir, que ce plan échoue maintenant au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus, nous rendons nul, nul et nul effet tous les plans que l'ennemi avait concoctés pour porter l'ennemi, pour porter le Fils au pouvoir. Au nom de Jésus Nazareth, toute manigance de l'ennemi échoue maintenant. Au nom de Jésus Nazareth, toute manigance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus qui Nazareth. Créons la confusion dans leurs ordres sataniques. Créons la confusion. Qu'ils soient confus. La confusion dans les ordres sataniques. Parce qu'en réalité, lorsque jusqu'à ce moment-ci, on veut pour le porter, on lui dit non, nous allons te soutenir. Amen. L'ennemi dit, Satan dit, je vais te soutenir. Les ordres sataniques disent non, non, tu vas gagner. Parce que nous sommes derrière. Derrière toi. Créons la confusion dans les ordres sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons maintenant, oh Dieu puissant, créer la confusion dans les ordres sataniques. Tous ces ordres qui le soutiennent, tous ces ordres sataniques sont derrière lui. Créons, c'est pour le doute, la confusion dans leur milieu. Au nom de Jésus Nazareth. Que ce soit dans le milieu de la rose de foi, que ce soit dans le milieu de la franc-maçonnerie, que ce soit dans le milieu des cancards, tous les ordres sataniques. Créons la confusion. Nous imposons la confusion dans leur groupe, dans leur camp maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le doute remplisse leur tête maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Nous sémons le doute dans leur groupe maintenant. Le doute maintenant. Nous sémons le doute. Nous sémons le doute dans leur groupe. Le doute maintenant dans leur groupe. Au nom de Jésus Nazareth. Que leur assurance disparaisse maintenant. Que le doute soit sémé dans leur groupe maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La confusion dans le groupe des Rosicruciens. La confusion dans le camp des Rosicruciens. La confusion dans le camp des francs-maçons. La confusion dans le camp des francs-maçons, des écancards. La confusion dans leur groupe. Qu'ils perdent confiance maintenant. Qu'ils perdent confiance, qu'ils perdent l'assurance maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sémons la peur. La peur dans leur groupe maintenant. La terreur dans leur groupe maintenant. Nous sémons. Nous sémons la peur dans leur groupe maintenant. La terreur dans leur groupe maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
au nom de Jésus qui naît. Au nom de Jésus qui naît. Amen. Amen. Il y a une histoire qui me plaît toujours dans la vie quand je regarde. Regardez un peu quand ils veulent combattre quelqu'un. Amen. Il y avait trois groupes. Il y avait qui? Il y avait Séi. Il y avait les Moabites, c'est ça? Et il y avait les Ammonites. Amen. Quelqu'un veut aller les combattre. Vous savez ce qui s'est passé, non? Ils sont d'abord tournés, on a d'abord fini avec Séi, non? On le tue d'abord. Ce n'est pas encore. C'est-à-dire que toi, tu veux aller combattre quelqu'un. Ils sont constitués en groupe pour t'attendre. Pendant que tu avances, deux se tournent d'abord contre un. On finit d'abord avec lui. Amen. Ça, c'est comme ça tes ennemis. Hein. Après, ils se mettent face à face. Toujours tes ennemis. Ils commencent à se poignarder eux-mêmes. Donc, quand le jour où tu arrives, tu dis, hey, mais attends, les ennemis là-même sont encore où? Entre eux. Et la Bible dit que rien n'est resté. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont entretenus jusqu'à ce que rien n'est resté. Amen. Amen. C'est ce que nous devons. C'est ce que nous devons. Comment on dit ça? C'est ça à quoi nous devons nous attendre, non? C'est ce que nous devons crier maintenant dans le camp des ennemis, non? C'est-à-dire qu'entre eux, même ils s'entretuent. Vous vous rappelez de cette prophétie, la mort dans la flamme. Amen. En fait, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui vient crier la mort dans la flamme. Amen. Amen. Ces personnes ne sont pas quelqu'un de l'extérieur. C'est entre eux. Amen. Donc nous devons implorer maintenant la grâce du Seigneur là-dessus. Afin que tous ces ennemis-là qui se retournent les uns contre les autres. Afin que celui-là qui avait été prévu pour la place, qui n'est même plus à combattre, non. Parce qu'il arrive quand tout est déjà dégagé. Amen. Amen. Prions vraiment. Afin que dans le camp de l'ennemi, que la bataille soit rude et que rien ne résiste entre eux qui ne se résistent pas, qui s'entretuent, si bien que personne ne reste. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Oui, les ennemis en face sont nombreux. Ils sont nombreux en face, Père. Mais nous savons ce que tu sais faire, Seigneur. Seigneur, je prie, oh Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils se retournent les uns contre les autres, Père. Qu'ils se retournent les uns contre les autres. Et qu'ils se tuent, oh Dieu Tout-Puissant. Qu'ils s'entretuent, Seigneur. Afin que, Seigneur, lorsque ton moins, lorsque celui-là que tu as choisi arrivera, qu'il n'y ait plus d'ennemis. Parce qu'ils se sont entretués, Père. Qu'ils se tuent entre eux, Père. Qu'ils se poignardent entre eux. Qu'ils se détruisent. Qu'ils s'auto-détruisent, Père. Que la guerre règne entre eux, Père. Que la guerre soit entre eux, Père. Qu'ils ne s'accordent plus sur rien. Qu'à partir de cet instant, ils ne s'accordent plus sur rien. Qu'ils ne s'accordent plus sur rien. Oui, Seigneur. Que la division règne. Que la division soit profonde. Seigneur, qui s'entretient entre eux. Et que rien n'échappe. Que personne n'échappe, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Oui, au Dieu Tout-Puissant. Quel centre tu perds. Quel centre tu perds. Quel centre tu perds. Et que personne ne s'échappe, Seigneur. Qu'entre eux, personne ne s'échappe. Que personne ne s'échappe entre eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant que nous avons dégagé les lieux, amen. Il faut maintenant porter au trône celui-là qui avait été choisi. Amen. Maintenant, le tapis rouge est déroulé. Amen. Portons maintenant au trône celui-là qui avait été choisi. Amen. Nous sommes en prière. Au nom de Jésus Nazareth. Maintenant, au Dieu Tout-Puissant. Alors que cette table est tombée, alors que ces racines sont quittées, nous venons maintenant planter cette table que tu as choisie. Nous plantons à l'endroit, Père, l'arbre que tu as choisi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous plantons maintenant, Père, l'arbre que tu as choisi. Là où l'autre a été dégagé, Père, nous plantons cet arbre. Qu'il soit arrosé maintenant et que dorénavant il grandisse là-bas, Seigneur. Il s'épanouit là-bas maintenant, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous le plantons là, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous balisons cette table, Père. Afin qu'aucun danger, afin qu'aucune flèche, Seigneur. Afin qu'aucune matière ne l'atteigne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette table soit protégée maintenant, Père.
qu'il y ait une aide de protection, Père. Une aide de protection autour de cette table, Père. Une aide de protection. Et que cette table se développe, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Couvre-le, Seigneur. C'est toi qui l'as choisi, Père. C'est toi qui l'as choisi, Père. Il est petit, mais c'est toi qui l'as choisi, Père. Nous l'installons, Père. Nous l'installons, Père. Il ne connaît rien, Seigneur. De la politique, il ne connaît rien. Mais nous savons une chose, Père. Forme-le, Père. Nourris-le de sagesse et d'intelligence. Comme tu l'as fait avec Salomon, Père. Nourris-le, Seigneur. Accorde-lui sagesse et intelligence. Accorde-lui sagesse et intelligence, Seigneur. Pour diriger cette grande nation, Père. Pour porter cette grande nation au développement, Père. Pour porter cette nation au développement, Seigneur. Accorde-lui sagesse et intelligence. Au nom de Jésus Nazareth. Que ce soit ton programme, Seigneur. Et seul ton programme soit déroulé. Se déroule, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ce soit ton plan d'action qui se déroule maintenant, Père. Ton plan d'action, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie au Père que tu le protèges. Que tu le protèges, Père. Lui, Seigneur. Son épouse, Père. Ses enfants, Père. Protège cette famille, Père. Protège cet élu, Père. Protège-le, Père. Protège sa famille, Père. Contre toute attaque de l'ennemi, protège le Seigneur. Couvre le Seigneur. Sois son bouclier, Père. Sois le bouclier de sa femme, Seigneur. Sois le bouclier de ses enfants, Seigneur. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Protège le Seigneur. Protège le Père. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous établissons autour de lui, Seigneur, tes anges, Seigneur, que tes anges, Seigneur, soient positionnés autour de lui, Seigneur, pour le garder, pour le protéger contre toute attaque de l'ennemi, que ce soit les attaques de nuit ou de jour, qu'il soit protégé, Seigneur, au nom de Jésus Nazareth. Que toute flèche ennemie, Seigneur, lancée dans sa direction, s'émiette, oh Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, préserve le Seigneur. Préserve le Seigneur. Et donne-lui l'assurance que tu es avec lui, Seigneur. Accorde-lui de savoir que tu es avec lui, Père. Qu'il ait cette assurance que tu es avec lui, Père. Et c'est toi qui diriges au travers de lui, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Veille sur lui, Seigneur. Veille sur la nation camerounaise, Père. Sous lui, Seigneur. Prie pour la sécurité de ce pays. Pendant qu'il est là, pendant qu'il est au poste, prie pour la sécurité aux frontières. Prie pour la sécurité de ce pays. Seigneur, protège cette nation. Protège la nation camerounaise, Seigneur. S'il construit les frontières du Cameroun, Père. S'il construit les frontières du Cameroun, Père. Protège ce pays, Père. Pendant qu'il est là, oh Dieu Tout-Puissant. Qu'aucune nation ne vienne le fragiliser, Père. Protège le Seigneur. Protège les frontières du pays, Seigneur. Je viens positionner les anges, oh Dieu Tout-Puissant. Tout le long des frontières du Cameroun, Père. Afin qu'il repousse toute attaque de l'ennemi, Père. Que ce soit par voie aérienne, que ce soit par voie terrestre, que ce soit par voie maritime, que ce soit par voie ferroviaire, que toute attaque ennemie soit repoussée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il y a ce songe que quelqu'un nous a donné hier là, par rapport aux lois. Amen. Par rapport à ces lois qui vont être modifiées. Lorsqu'on modifie une loi, certainement celui qui modifie ses vouloirs en sa faveur. Amen. Et comme le régime, nous déposons le régime pour mettre quelqu'un d'autre, ceux-là ne seront pas contents. Et comme ils sont là, ils peuvent chercher à modifier la loi en leur faveur. Par exemple, quelqu'un peut dire, on peut modifier la loi pour imposer le fils. Amen.
C'est pour ça que nous devons dire non à toute modification. Amen. Donc nous disons non à toute modification de loi. Amen. Que la loi soit la loi républicaine. Que la loi soit la loi qui protège le pays et non la loi qui protège un individu. Amen. Et du même coup, nous prions pour la fidélité des militaires. Amen. Que ce soit les militaires d'une nation et non les militaires d'un individu. Amen. Donc prions pour cela. Par rapport à la loi et par rapport aux militaires. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père au Dieu Tout-Puissant, je viens m'opposer maintenant à toute modification de loi en faveur de l'ancienne équipe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'oppose, oh Dieu Tout-Puissant, à toute modification de loi en faveur du Fils, en faveur d'un changement de gré à gré. Je m'oppose à cela. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Qui n'est pas d'accord entre les députés pour cette modification de la loi? Oui, qui est dislocation, Seigneur. Et qu'on n'accorde pas que la loi, cette loi ne soit pas signée. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Nous disons non, Père. Non à toute loi. Non à toute loi qui vise à protéger un individu. La loi, c'est pour la loi de la nation. Non à toute loi qui cherche à protéger un individu. Mais une loi qui protège la nation. Non à cette modification de la loi en leur faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Nous prions au Dieu du Puissant pour les hommes en tenue de cette nation, pour les militaires de cette nation, afin qu'ils reconnaissent qui sont les militaires de la nation camerounaise et non les militaires d'un individu. Qui restent fidèles. Fidèles à la République du Cameroun. Que ce soit des militaires fidèles à la République et non fidèles à un individu. Au nom de Jésus Nazareth, nous appelons à la conscience, au patriotisme, à la conscience nationale, au sein de l'armée. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons positionné le nouveau. Parce que nous avions arraché le sceptre de commandement de l'autre côté. Mais nous ne lui avons pas encore donné le sceptre de commandement. Amen. Remettons-lui le sceptre de commandement. Remettons-lui le sceptre de commandement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, nous venons maintenant remettre entre les mains, Seigneur, de celui-ci que tu as choisi pour nous, Père, pour diriger la nation camerounaise. Nous lui remettons maintenant le sceptre de commandement. Le sceptre de commandement. Afin qu'il nous dirige dorénavant. Afin qu'il dirige cette nation comme tu l'as voulu, Père. Nous lui remettons le sceptre de commandement. Au nom de Jésus Nazareth. Nous lui remettons maintenant, Père, toutes les armoiries du pays, Seigneur. La couronne de la nation, nous lui portons tout cela maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de cet instant, Père, il porte maintenant en lui les armoiries du pays. Il porte sur lui maintenant les armoiries du pays. Et il a sur en lui, Seigneur, il a entre les mains le sceptre de commandement. Et qu'il se lève maintenant. Qui se lève maintenant pour diriger le pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci ô Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci pour cette nouvelle nation, Père. Merci pour ce nouveau gouvernement, Père. Merci parce que c'est ton plan d'action qui va être déroulé, Père, dans cette nation, Seigneur. Merci parce que toi-même, tu as dit que tu l'as choisi pour porter le pays au développement. Merci, Père. Merci parce que ton choix s'est porté sur lui, Père. Non pas parce qu'il mérite, Seigneur, mais parce que tu as dit que tu vas faire avec lui, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Est-ce que vous couronnez maintenant? Avec le réveil. Amen. Avec le réveil. Le réveil a été promis. Amen. Ça a été promis. En réalité, si nous y allons maintenant, c'est pour dire que cela vient à manifestation. Amen. Que s'il y avait des obstacles quelque part, que tous ces obstacles soient dégagés maintenant et que le réveil descende. Tu as le pouvoir. Le Seigneur t'a choisi à cette heure-ci pour appeler le réveil à la nation camerounaise. Amen. Utilise ce pouvoir. Appelle le réveil. Amen.
que le réveil vienne en manifestation. Et lorsqu'on dit le réveil, c'est le réveil dans ton cœur. C'est le réveil dans ton quartier. C'est le réveil dans toutes les structures administratives de ce pays. C'est le réveil à la présidente de la République du Cameroun. C'est le réveil chez les musulmans, chez les satanistes. Ce n'est pas seulement le réveil entre nous ici, là, où nous disons que nous sommes déjà des juifs. Non, c'est le réveil partout. Parce que si ça ne reste qu'entre nous, c'est qu'il n'y aura pas eu de changement. Amen. Il faut bien que l'on voie que ceux du dehors, ils entrent maintenant. Amen. C'est en ça qu'on va dire qu'est-ce qui s'est passé. Et on va comprendre qu'il y a eu un changement. Amen. Appelle le réveil sur le Cameroun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant j'appelle au Dieu Tout-Puissant. Parce que tu as promis, Père. Tu as promis le réveil dans cette nation, Père. Tu as dit que le réveil au Cameroun. Tu as dit au Dieu Tout-Puissant qu'il y aura le réveil au Cameroun. Père, en ce moment, Père. En ce moment, Père. Nous appelons le réveil au Cameroun. En ce moment, Père. J'appelle le réveil sur le Cameroun. J'appelle le réveil sur la nation camerounaise. J'appelle le réveil, Père. Le réveil en moi, Père. Le réveil sur mon cœur, Père. Le réveil, Seigneur. Le réveil dans ma maison, Père. Le réveil dans ton église, Père. J'appelle le réveil, Seigneur. Le réveil sur la nation camerounaise, Père. J'appelle le réveil. En tous les coins et les coins de cette nation. J'appelle le réveil, Père. J'appelle le réveil, Seigneur. Le réveil ici, Père. Le réveil dans le Cameroun. Le réveil sur la nation camerounaise, Père. Le réveil sur ma nation. Le réveil. Le réveil. Que le vent du réveil souffle sur le Cameroun. Que le vent du réveil souffle sur le Cameroun. Que le vent du réveil souffle sur le Cameroun. Que le vent du réveil souffle sur le Cameroun. Que le vent du réveil souffle sur le Cameroun. Le réveil. Le vent du réveil sur le Cameroun. Le vent souffle. Le vent du réveil souffle sur le Cameroun. Souffle sur la nation camerounaise. Souffle. Que le vent du réveil souffle. Le vent du réveil à la présidence de la République du Cameroun. Le vent du réveil à la présidence de la République du Cameroun. Le vent du réveil au Sénat du Cameroun. Le vent du réveil au Sénat du Cameroun. À l'Assemblée nationale du Cameroun. Le vent du réveil. Le vent du réveil à l'Assemblée nationale du Cameroun. À la primature du Cameroun. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Que le vent souffle. Que le vent du réveil souffle. Souffle la primature du Cameroun. Que le vent du réveil souffle la primature du Cameroun. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Le vent dans tous les ministères du Cameroun. Le vent dans tous les ministères. Le vent au ministère de la Défense. Le vent au ministère de la Justice. Le vent au ministère de la Santé publique. Le vent du réveil. Le vent au ministère de la Fonction publique. Le vent au ministère de l'Éducation nationale. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Le vent au ministère de l'Éducation de base. Le vent du réveil. Dans tous les ministères du Cameroun. Le vent souffle. Le vent souffle dans toutes les régions du Cameroun. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle dans toutes les préfectures du Cameroun. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle dans toutes les sous-préfectures. Le vent souffle. Le vent souffle dans toutes les mairies du Cameroun. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Le vent du réveil souffle au Cameroun. Le vent du réveil souffle au Cameroun. Le vent du réveil souffle au Cameroun. Dans tous les villages du Cameroun. Le vent du réveil souffle. Le vent du réveil souffle. Souffle dans tous les villages du Cameroun. Le vent du réveil souffle dans tous les villages. Dans tous les villages du Cameroun. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Dans toutes les chefferies traditionnelles, dans toutes les chefferies du Cameroun, le vent du réveil, le vent du réveil, dans toutes les chefferies, dans les sultanats, dans les laminats, le vent du réveil, le vent du réveil, le vent souffle, le vent souffle, le vent du réveil souffle, le vent du réveil souffle, le vent du réveil souffle.
Le vent du réveil souffle. Le vent du réveil souffle dans toutes les familles du Cameroun, dans toutes les familles, dans tous les foyers, dans tous les foyers. Le vent du réveil souffle. Le vent du réveil souffle dans tous les cœurs. Le vent du réveil souffle dans mon cœur, dans ton cœur, mon frère, dans ton cœur, ma soeur. Le vent du réveil souffle. Le vent du réveil souffle. Le vent du réveil souffle. Le vent du réveil souffle dans les écoles. Dans les écoles. Dans les écoles maternelles. Le vent du réveil souffle dans les écoles primaires. Dans les écoles primaires. Dans les écoles secondaires. Dans les lycées. Dans les écoles supérieures. Dans les universités. Le vent du réveil souffle. Le vent du réveil souffle. Le vent du réveil souffle. Dans tous les hôpitaux, le vent du réveil souffle. Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, le vent du réveil souffle. Dans toutes les cliniques, dans les centres de santé. Dans les centres de santé, le vent du réveil souffle. Dans le vent, tous les points de vente, même des produits de santé. Le vent du réveil souffle. 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 Le vent du réveil souffle dans les agences de voyage. Le vent du réveil souffle. Le vent du réveil. Pour secouer les fondements des agences de voyage. Pour secouer les fondements des agences de voyage. Dans toutes les agences de voyage. Dans toutes les agences de voyage. Le vent du réveil souffle. Que ce soit les agences. Que ce soit les voyages aériens. Que ce soit les voyages terrestres, maritimes. Voyages ferroviaires. Le vent du réveil souffle. Le vent du réveil souffle. Dans tous les moyens de transport, Père, depuis les vélos, Seigneur, jusqu'aux avions, le vent du réveil souffle. Le vent du réveil souffle. Le vent du réveil souffle. Dans toutes les activités du Cameroun, dans les stades de football, le vent du réveil. Le réveil, Père. Le réveil. Le vent du réveil souffle. Le vent du réveil souffle au Cameroun. Le vent du réveil souffle au Cameroun. Le vent du réveil souffle au Cameroun. Souffle. Souffle sur ma nation. Souffle sur ma nation. Souffle sur la nation camerounaise. 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 Le vent du réveil. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Le vent du réveil. À tous les coins de rue. Le vent du réveil. À tous les coins de rue. À tous les coins de rue. Le vent du réveil. À tous les aéroports. Le vent du réveil. Dans tous les carrefours. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Dans toutes les forêts du Cameroun. Le vent du réveil. Dans toutes les forêts sacrées. Le vent du réveil. Dans toutes les forêts. Dans toutes les forêts sacrées. Dans tous les hauts lieux. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Dans tous les hauts lieux. Le vent du réveil. Sous tous les arbres verts. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Sous toutes les montagnes. Sous toutes les montagnes. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Dans toutes les couches de la nation. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Que le vent souffle. Que le vent souffle. Le vent du réveil. Que le vent souffle. 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 Le vent du réveil. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Sur nos cœurs, le vent du réveil. Dans l'église, le vent du réveil. Dans l'église, le vent du réveil. Dans les églises catholiques, le vent du réveil. Que le vent du réveil souffle dans les églises catholiques, dans les églises protestantes, dans l'église évangélique, le vent du réveil. Le vent du réveil. Chez les musulmans, le vent du réveil. Chez les satanistes, le vent du réveil.
Chez les roses chrétiens, le vent du réveil. Chez les francs-maçons, le vent du réveil. Le vent du réveil souffle. Le vent du réveil souffle. Souffle sur la nation camerounaise. Sur tous les ponts, le vent du réveil. Dans toutes les rivières, le vent du réveil. Dans tous les fleuves du Cameroun, le vent du réveil. Le réveil. Le réveil dans ma nation. Le réveil dans ma nation. Le réveil dans ma maison. Le réveil dans ma maison. Le réveil dans mon cœur. Le réveil. Le réveil. Que le vent du réveil souffle. Que le vent du réveil souffle. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Oui, le vent du réveil sur le Cameroun. Oui, le vent du réveil sur le Cameroun. Que cette pluie tombe. Que cette pluie tombe. Que cette pluie tombe. La pluie de l'arrière-saison. Que cette pluie tombe. Que cette pluie arrose le Cameroun. Que cette pluie arrose le Cameroun. Que cette pluie en abondance arrose le Cameroun. Que cette pluie descende maintenant. Oh Dieu Tout-Puissant, nous continuons de déchirer. Nous ouvrons les écluses des cieux. Que cette pluie descende maintenant. Que cette pluie coule maintenant. Que cette pluie coule maintenant. Que cette pluie coule maintenant. Sur la nation camerounaise. Que cette pluie coule maintenant. Sur les terres arides. Sur les terres arides de cette nation. Que cette pluie coule. Que cette pluie coule. Que mon cœur soit arrosé. Que mon cœur avide soit arrosé. Que mon cœur soit arrosé. Que nos cœurs soient arrosés. 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 Que nos cœurs soient pleinement arrosés. Que nos cœurs soient pleinement arrosés. Que nos cœurs soient pleinement arrosés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos cœurs soient pleinement arrosés. Oui Seigneur, que cette pluie descende, que cette pluie descende, que cette pluie arrose, que cette pluie arrose ma nation, que cette pluie arrose le Cameroun, que cette pluie arrose les terres arides du Cameroun, que cette pluie arrose, que cette pluie arrose, que cette pluie arrose, et amène le cœur à la germination, que cette pluie arrose, que cette pluie arrose. Que cette pluie arrose, arrose les terres arides, que cette pluie arrose les terres arides, et que les déserts fleurissent, et que les déserts fleurissent, que cette terre arrose, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur souffle, que le vent du réveil souffle, que le vent du réveil souffle au Cameroun, que le vent du réveil souffle. 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 Souffle sur la nation camerounaise. Que le vent du réveil souffle sur la nation camerounaise. Que le vent du réveil souffle sur la nation camerounaise. Que le vent du réveil souffle sur la nation camerounaise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le vent du réveil souffle dans la police. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le réveil sur ma nation. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil dans tous les secteurs d'activité du Cameroun. Le réveil dans tous les secteurs d'activité au Cameroun. Le réveil dans tous les secteurs d'activité. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil au ministère de la Défense. Le réveil. Le réveil au ministère de la Justice. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Arrose les cœurs, Père. Que cette pluie arrose les cœurs. Que cette pluie arrose les cœurs. Arrose les cœurs des magistrats, Père. Arrose les cœurs, Père. Les cœurs des médecins, Père. Arrose les cœurs des enseignants, Père. Arrose les cœurs des magistrats, Père. Arrose les cœurs, Père.
de tous ceux qui ont autorité sur le Cameroun, Père. Arrose les cœurs de la jeunesse, Père. De la jeunesse camerounaise. Arrose leur cœur. Que le vent souffle sur eux, Père. Que le vent du réveil souffle sur la jeunesse camerounaise. Que le vent de la le vent du réveil souffle sur la jeunesse camerounaise. Le vent du réveil. 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 Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci pour ce vent de réveil. Dis merci pour cette pluie qui arrose le Cameroun. Dis merci au Seigneur. Dis merci. Dis merci Seigneur. Merci pour tout ce qui se passe au Cameroun maintenant. Dis merci parce qu'il a choisi le Cameroun comme point de contact de ce réveil, de ce dernier réveil. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Parce que c'est lui qui a choisi le Cameroun. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-moi merci parce qu'il t'a choisi comme acteur de ce réveil. Dis merci au Seigneur. Tu n'as rien mérité. Ce n'est pas sa grâce. Dis simplement merci Seigneur. Dis simplement merci Seigneur. Merci parce que tu m'as choisi Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Père. Merci parce que tu nous as choisis. Merci que tu m'as choisi. Ma modeste personne, Seigneur. Dis merci. Merci parce que tu m'as choisi. Comme acteur de ce réveil, Père. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père. Merci ô Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur avec nous. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Dis-lui merci. Continue de dire merci au Seigneur. Continue de rendre grâce au Seigneur pour ta vie même. Pour son Église. Continue de dire merci au Seigneur. Pour cette terre qui t'a fait, qui t'a vu naître. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci ô Dieu Tout-Puissant. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette terre nouvelle. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui me donnes de voir cette terre nouvelle, de vivre cette terre nouvelle. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci pour ce beau pays, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour cette attraction que tu crées. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci pour tout cela que tu feras fouler le sol du Cameroun, Père. À cause de ce que tu auras fait du Cameroun, Père. Merci, Père. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Applaudis pour ce Dieu merveilleux. Tu as fait toutes ces choses pour la nation camerounaise. Applaudis. Applaudis pour ce Dieu merveilleux. C'est Dieu qui a fait les telles choses pour toi, qui t'a utilisé. C'est Dieu, il pouvait faire ça sans toi, mais il t'a utilisé. Applaudis-le. Applaudis. Ce qu'il a dit, il le fera. Applaudis. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Amen. Amen. Dis merci pour la force qu'il t'a donnée. Merci. Parce qu'il y a beaucoup qui sont sortis du travail, ils sont là. Dis merci pour cette force qu'il t'a donnée. Merci Seigneur. Oui. Et prie qu'il te fortifie encore pour les jours suivants. Qu'il te fortifie pour les jours suivants. Qu'il dispose de le temps. Qu'il dispose de ton temps pour les jours suivants. Parce que tu lui dis que tu voudrais être là tous les jours. Et c'est lui qui peut dégager le temps. Prie afin qu'il dégage ton temps. Que rien ne vienne faire obstacle. Et que tu sois là comme il a voulu. Oui. Seigneur, je veux être là tous les jours. Dispose-moi, Seigneur.
Mon temps, Seigneur. Pourvois, ô Dieu Tout-Puissant. Pourvois, Seigneur. Afin que je sois là, Seigneur. Je veux vraiment participer, Seigneur. Comme tu m'as choisi, Père. Je veux vraiment être un acteur pour ce réveil, Père. Dans ma nation, Père. Je veux être utile pour ma nation, Père. Merci, Seigneur. Fortifie-moi, Père. Fortifie-moi, Père. Accorde-nous santé, Seigneur, et disponibilité, Seigneur, pour être là tous les jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Et pour ce peuple qui est venu ce soir encore, ô Dieu Tout-Puissant, je prie afin que tu raccompagnes chacun, Seigneur. Que tu conduises chacun jusqu'à sa maison, Père, sans heurte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu les rends fous d'énergie, ô Dieu Tout-Puissant, afin que tous nous soyons encore là demain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.